Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Aujourd'hui, on va faire les meilleures pizzas de France. Enfin, une vidéo de gros porc, les amis. On va s'affronter dans un versus. Donc, à partir de maintenant, t'es mon ennemi. Je te laisse commencer. Ah ouais? Ouais. Un bon ennemi, machallah. On présente les garnitures, c'est parti. Donc, moi, je vais partir sur une pizza base crème fraîche. Ça, c'est évident, mon pote. Par contre, je veux juste dire un truc. Ouh, les gros porcs sont de sortie. Je veux juste dire un truc. Pourquoi moi, tu m'as pris des toutes petites pizzas? Elle est là, ta pâte, frère. Ah. De commencer à chercher des excuses. On étale bien la pâte. La crème est bien mise. On va rajouter des nuggets. Par contre, je veux juste dire un truc. Par exemple, quand l'autre, il fait sa pizza, on n'a pas le droit de critiquer. Ouais, on n'a pas le droit de critiquer et on n'a pas le droit de recopier. Ok, les reines, si on recopie, c'est vraiment de la triche. Le poulet a été mis. Maintenant, on va rajouter du kebab. Est-ce que tu veux que je t'en laisse un? Je crois que c'était des lardons. Non, c'est du kebab. Est-ce que tu veux que je t'en laisse un? Sinon, je prends les deux. Non, non, laisse-moi un tout petit peu pour que j'en mette trois. Ok. Oh, on a le droit de mettre les mêmes choses, mais pas dans le même ordre. Non, non, vraiment pas. Sinon, c'est de la crème. J'ai le droit de mettre la crème. Ah, c'est pour ça que tu m'as laissé commencer pour recopier sur moi. Mais non, mais non. Eh, écoute, est-ce que par exemple, j'ai le droit de mettre la crème, mais pas les tranches de dinde? Ouais, voilà, que la base. Le kebab. En vrai, j'ai vraiment pas envie de faire de la merde, donc je me concentre. Faut pas que je fasse un mélange dégueulasse comme les hot tacos avec 600 viandes. On a mis la dinde, le kebab. Qu'est-ce qu'on peut... On va se rajouter un tout petit peu... Non, Younes, j'allais mettre du cordon bleu, mais ça va pas le faire. Non, c'est dégueulasse avec. Ouais, laisse tomber, ça va pas le faire. On va rajouter, tout simplement, pour continuer, un peu de poulet. Voilà, un peu de poulet. Toi, tu fais le truc algérien, toi? Ouais, moi, c'est toujours dans l'esprit arabe. Moi, je suis un arabe, de toute façon. Je suis d'origine algérienne. De nationalité française. Donc il y a toujours le algérien dans mon esprit. On va rajouter un peu de pommes de terre. Voilà. On va rajouter aussi des champignons. Là ça commence à être pas mal. Vous avez vu que ma pizza, j'ai tout mis la garniture au milieu. C'est fait exprès. En fait ce que je vais faire, c'est que j'ai vu ça dans les pizzas. Vous voyez les bords là, les croûtes. À chaque fois les croûtes on les mange pas. Et ben les croûtes, je vais les garnir de fromage. Comme ça, ça va être magnifique. Bah c'est la meilleure pizza de France. Espèce de recopieur. Alors t'allais faire ça? Bah oui. Ouais. Là, ça me donne un peu envie de vomir, mais c'est normal, c'est parce qu'elle n'est pas cuite. Ouais, ça te donne beaucoup en fait. Moi, la mienne, quand tu vas l'avoir de base, ça va pas du tout te donner envie de vomir. Il y a une règle. Chacun va devoir. Par exemple, moi, j'ai fait ma pizza, je vais goûter la pizza Younes. Moi, j'ai fait. Bah, c'est logique, frère. Vas-y, à toi. J'aimerais bien qu'on fasse une vidéo où on a 5 minutes pour faire une seule pizza. Si tu recopies, je te coupe les cheveux. Juste à l'eau, la crème fraîche et la sauce tomate. Crème fraîche, sauce tomate. Alors, déjà, passe-moi de la crème fraîche. Tiens. J'en mets bien généreusement sur un côté. Allez là. J'allais t'aider. Parce qu'elle a pas de muscle. Voilà. Du coup, personne n'a utilisé la base sauce tomate. Franchement, j'ai eu une mauvaise expérience en Algérie. Quand j'étais petit, j'ai demandé au monsieur, je peux avoir une margarita? Il m'a donné, à la place de la sauce tomate, écoutez bien, il m'a mis du ketchup. Du ketchup. Donc je suis traumatisé par la sauce tomate. C'est pour ça que maintenant, je prends que des pizzas à la crème fraîche. Cordon bleu, j'en étais sûr, elle, c'est son aliment préféré. Hop, non mais j'arrive pas à couper un peu. Que j'ai le droit de mettre ça? Bah oui, c'est pas du recopiage, tiens, elle va mettre du blanc de poulet, tiens. Parce que moi, je vais le découper par contre, une seule fois, je vais le découper en plusieurs morceaux. Fais le ciseau, fais pas que tes doigts de gaulois, s'il te plaît. Parce que je vais goûter la pizza, j'ai pas envie de goûter ses doigts. Je vais prendre un peu de ça. Tu vois, je t'avais dit que j'allais prendre du kebab maintenant. Cordon bleu, blanc de dinde, kebab. C'est la suite qui va m'intéresser. Je sais pas. Franchement, moi j'aurais besoin d'un bon conseil. Avec elle, c'est malin quand on fait une vidéo pizza où vous êtes dans la merde, vous allez manger à 19h. Hein. Prends tes décisions et tes responsabilités. Ça, c'est incroyable. C'est du fromage spécial pizza. Touche pas. Attends, tu fais pas ma technique sur les côtés. Hein. Mais non. Sinon, tu recopies. Hein. Je vais pas plier, je vais juste mettre sur les côtés. Ok, j'ai cru. Là, une autre, regarde, ma pizza, elle est beaucoup mieux que la tienne. Regarde, elle a plus de goût. Ouvre le four, pourquoi tu mens? Ouvre le four. Il y a des trucs là-bas qui doivent pousser. Regarde la sienne. Bah ouais, c'est la sienne. En bas, c'est la mienne. Pourquoi la tienne, elle est plus en haut que moi? Parce que la mienne, elle est mieux. Regarde-toi, ça a dégouliné. Moi, ça n'a pas dégouliné. Les pizzas sont prêtes. On va pouvoir décider qui a fait la meilleure pizza de France. Elles sont jumelles. Déjà, maman, niveau, s'il te plaît, au niveau de la beauté, ça, c'est Myriam. Ça, c'est moi. Quelle est la plus belle pour toi? En vrai, regarde, là, c'est un peu la jungle, hein. C'est un peu la jungle, là, c'est bien structuré. Tu dirais à droite ou à gauche? Ah, tu parles à moi, excuse-moi. Non, je parle à... Alors, la plus belle? Moi, je dirais les deux. Ouais, allez, ça, c'est les réponses de maman. Maman, on pourra jamais lui demander, ça sert comme à rien. Ça, y a pas de... Papa, on peut lui demander, papa. Papa, il va dire pareil, il va dire toi, donc moi, je demande pas. On va découper ça.
Hey. Enlève tes doigts. Et regarde, le ciseau, le truc fait toute ta tête. Hein. Donc, vaut mieux pas que tu coupes avec. On y va pour ta pizza. On va commencer par la plus petite. On va la goûter. Bismillah. Bismillah. Je peux donner mon avis ou... Elle est un petit peu sec. Non, attends, laisse-moi vous donner mon vrai avis. J'ai eu un beau avec le cordon bleu, un peu de crème fraîche. Franchement, ça passe bien. Mais je pense que de 1, ça manque un peu de crème fraîche. Et ça manque un peu de fromage. Mais sinon, elle est très bonne. Vas-y, toi, donne ton avis. Mais pourquoi tu me tapes? C'est bon, j'aime bien ma propre pizza. Ouais, mais pourquoi t'aimes bien? Bah, j'aime bien tout, la pâte et tout. Donc, ok, toi, tu penses que c'est carré. On va goûter la mienne. 1, 2, 3, let's go. Elle est beaucoup plus bonne, vraiment. Moi, je dis que... Attends, laisse-moi dire mon avis. Je trouve qu'elle est beaucoup moins sec qu'elle et les ingrédients se marient bien ensemble. Ça coule, c'est doux, incroyable. Tu peux dire mon avis? Ouais, vas-y. Alors déjà, je dis que mon avis, elle est bonne déjà, la pizza. Ouais, voilà, même elle, elle le reconnaît. Mon ennemi, elle dit qu'elle est bonne. Elle est bonne. La pâte, elle est bien sec, le fromage, il coule bien. Attends, comment ça, la pâte, elle est bien sec? Elle est bonne, okay. Tout est bon dedans déjà. Mais par contre, t'as mis un peu trop de champignons sur ma part. Ah, un peu trop de champignons. Après, si elle aime pas les champignons, c'est pas de ma faute. Mais sinon, elle est bonne, je valide. Donc, tu peux dire devant tout le monde, en regardant les gens dans la caméra, que j'ai gagné ce défi? Non. Mais t'as dit qu'elle était bonne. La mienne, c'est la plus bonne. J'avais pas vu l'écrit, regardez, ça l'a vraiment fait. Il y a du fromage à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment moi qui a la meilleure pizza. Non, 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 non. Si, fais voir toi à l'intérieur comment c'est. Fais bien voir. Je coupe. Vas-y, coupe. Ouais, il n'y a rien, elle. Mais moi, il y a du bon mais cheese. Mais moi, regarde-moi, il y a quoi dessus? Vas-y, tape ton meilleur croc. Et du coup, elle, sa pizza, on ne peut pas manger les rebords, vu que c'est sec, il n'y a pas de fromage. Vous avez arrête de commenter mal ma pizza. C'est la vérité. Hey, tu commandes pas ma pizza mal. A few moments later. Mais c'est pas possible, tu viens juste de manger, tu remanges ça encore. Mais j'ai le droit, j'ai le droit de manger un petit dessert. C'est la base. Va manger ta pizza, laisse-moi tranquille. Tu viens de manger il y a plus de 20 minutes. Mais j'ai le droit, après t'as 5 secondes. Je vais à la musculation, je dois pousser des barres à 120 kg, il faut de l'énergie. Mais en vrai, on va laisser les gens décider dans les commentaires, même si dommage, je pouvais pas goûter. Si il y a 2000 pouces bleus, c'est moi qui gagne. S'il y a plus de 2000 pouces bleus, c'est elle qui gagne. J'espère que ça vous aura plu, la mif. Dites-nous qui a fait la meilleure pizza de France. Moi, j'ai mis les meilleurs ingrédients français. C'est moi. Non, non, c'est moi. Vraiment, c'est moi. Vraiment, c'est moi. Le snap, il est ici. Abonnez-vous, lâchez des likes. Ciao.